Tout à fait, on attend avec impatience. En fait, c'est toute une ville qui attend. Vous le voyez derrière moi, hein, le village est déjà ouvert, les lumières scintillent. Alors pour l'instant, c'est relativement calme parce que vous le voyez peut-être, il fait un peu froid ici. Et puis surtout, on connaît déjà l'heure d'arrivée prévue de Charles Caudrelier, c'est-à-dire 8h30 demain matin pour un passage de la ligne. Donc l'effervescence sur ce quai, elle va débuter dès demain matin. On sait qu'il y a des gens qui font le déplacement de très loin, d'Italie, du sud de la France. En tout cas, nous, cet après-midi dans Brest, on a déjà croisé quelques marins et des passionnés. Regardez. Voler sur l'eau, en solitaire et faire le tour du globe. À Brest, assister à l'arrivée de l'ultime challenge fait rêver. Les ultimes, c'est... On n'arrive pas à s'imaginer comment un seul homme à bord peut piloter un tel bateau. Partir comme ça, 40-50 jours, seul, sur des énormes machines, on se dit, mais voilà, il y a encore un côté aventurier. Et le plus attendu de ces aventuriers, c'est Charles Caudrelier. Dès l'aube, les plus chanceux iront l'accueillir en mer, à bord du bateau de Bob Escoffier. L'émotion est grande au départ, l'émotion est grande aux arrivées. Les êtres les plus sensibles dont je fais peut-être un peu partie, on a toujours quelques larmes. Et les gens qui, la famille, les amis qui nous voient partir ou qui nous voient arriver, au départ, des fois, il y a quelques larmes, à l'arrivée, c'est plutôt des larmes de joie. Au-delà de l'émotion, ce premier tour du monde à bord de trimarans volants suscite déjà l'intérêt de certains navigateurs. Gagner le tour du monde, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le tour du monde. Je n'ai pas forcément gagné comme lui, mais moi, je peux faire un tour du monde contre lui. Je n'ai pas peur de lui. Moi. Par rapport à ce que les marins m'ont dit, ce que j'ai entendu, la course extrême, c'est le départ de Brest, et la prochaine, c'est dans 4 ans. Donc le train, c'est je le prends ou je le prends pas, mais si je vais essayer de me donner les moyens pour être dans 4 ans. En attendant, amateurs et navigateurs gardent les yeux rivés vers cette ligne d'arrivée. Charles Caudrelier devrait la franchir en premier, devançant Thomas Coville et Armel Le Cléache.